Là, on est sur un pont. Ouais, Danek, ça va ou quoi? Tranquille? Merci, Kira, merci. Merci à ceux qui partagent. Bon, on va essayer de faire avec la connexion. La connexion, elle n'est pas bonne. Donc, regardez les gens. Là, on est dehors. On est à côté de la gare. T'as vu? Il y a des enfants. Il y a des mères de famille. T'as vu? Qui sont dehors. Donc, ils ont besoin de votre aide, en fait. Ils ont besoin de votre aide. Regardez, donc, là, en fait, voyez tous les efforts que vous faites à donner à des gens. Bon. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire une très bonne action pour eux, les amis. On va essayer de faire une très, très bonne action. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, cette dame, elle est là. Ils sont là depuis un moment. Donc, tout le long, là, il y a des gens, tu as vu qu'ils dorment dehors. Voilà, ces gens, ils méritent. Ces gens, ils méritent. Bon, madame, ils ne parlent pas beaucoup français, madame. Hein. Donc, ouais, ils ne parlent pas beaucoup français, donc on va essayer de passer là-bas. Faut appeler. Ouais, on va essayer de... Bon, merci, madame. Hein. Bonne journée. Bonne soirée, plutôt. Les pauvres. Voilà, donc regardez, hein, regardez, c'est pas qu'ici, vous verrez. Moi, ce qui me fait plus mal au cœur, c'est les enfants, je vous jure. C'est les enfants, vous voyez, ils sont dehors. Voilà, regardez, c'est des gens qui sont dehors avec des enfants. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc, regardez, là, on est en direct sur Internet. Tu vois? Donc voilà, donc les gens, voilà, donc regardez, hein, c'est des gens avec des enfants. Voilà, donc regardez, vous dormez ici, non? Vous dormez ici? D'accord. Vous avez besoin de quelque chose pour les enfants? C'est à Grenoble, la gare de Grenoble, juste à côté, sous le pont. Voilà, donc je vais essayer de passer avec eux parce qu'ils parlent français, eux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si moi j'ai quelque chose, si les gens ils donnent quelque chose, je viens, je vous donne, il n'y a pas de souci. Voilà. Regardez, voilà, madame avec ses enfants. Ça va? Bien, bien. Donc voilà, regardez, si vous avez des vêtements pour les enfants, à manger, tout ça, même des jouets, hein, tout. Hein. Ouais. D'accord, ok, attends, j'arrive. Voilà. D'accord. Voilà, d'accord. Voilà, donc, regarde, les amis, on est là. Regarde, voilà. Bonjour. Il y a les enfants. Regarde, les enfants, ils sont là, ils sont dehors. Donc, voilà. Dis-moi, vous avez besoin de quoi exactement, en fait? Qu'est-ce que vous avez besoin? On partage pour la mettre à des enfants. Ouais, les pampers, ouais, les couches, ouais, des couches. Voilà, donc il n'y a pas de souci, les couches à manger. Ouais, les vêtements, parce qu'il va faire froid là, il va faire froid, voilà. Voilà. Donc les gens, si vous êtes à Grenoble, regardez, c'est à côté de la gare quand vous arrivez à la gare. En fait, quand vous faites comme si vous allez à San Bruno à pied. Donc ils sont sur le pont. Donc voilà, donc. Hein? Donc. Ouais. Voilà, donc regardez, hein. Voilà. Comme ça, C'est ça, voilà, ceux qui regardent avec quoi ils vivent, quoi, les gens. J'attends tout le temps, on ne peut pas. C'est quand, ouais. D'accord. Merci. Regardez. Comme ça, pour les enfants. Ouais. D'accord. Attends. Voilà, comment c'est les choumons. Regardez, voilà, c'est pas grand-chose pour les enfants. Voilà. Hein? Regarde, si les gens ils me donnent quelque chose, je promets, je viens. Je reviens. Hein? Ok, merci. Non, non, c'est normal, c'est normal. Voilà, d'accord. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Ouais, il n'y a pas. Regarde. On a jaune. Voilà. Non, 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 non.
Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, si j'ai quelque chose d'autre, il n'y a pas de soucis. Voilà, regarde. Tiens, donne à la personne. Voilà, tiens. Tiens, voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà les gens, donc n'hésitez pas, hein, même si c'est des vêtements, même si c'est à manger, des couches, des affaires, des... voilà, il va faire froid les enfants. Regarde, il va faire froid. Voilà, des vestes et tout, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci. Quand j'ai quelque chose, je reviens. Ok. Voilà, regardez. Hein. Donc regardez ça, c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin, quoi. Voilà. Bon. Allez, sur ce, s'il y a quelque chose, je reviens. Ok, derrière. Allez, salut. Salut, salut. Allez, bonjour, bonne soirée en tout cas. Bon courage, bon courage. Derrière. Donc voilà les gens, c'est à la gare. C'est à la gare de Grenoble, vous voyez. Ces gens, ils sont dehors. En plus, c'est pas que là. Hein. Regardez là-bas aussi. Hein. Regardez là-bas aussi. Voilà, donc je comprends pas, les gens, vous faites, je sais pas, en plus ça, je pense que c'est dans chaque ville que vous allez, je pense que vous trouverez sûrement des gens comme ça, qui ont besoin d'aide, vous voyez, ces gens, ils sont vraiment en difficulté, donc c'est pas des, voilà, donc les gens, voilà, donc dès que vous avez quelque chose, venez à la gare de Grenoble. Voilà, voilà les gens, bon, je vais couper et je reviens tout à l'heure, ok les amis. Partagez au maximum. Voilà, donc, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, t'as vu, je sais pas comment faire, en fait. Soit je fais un PayPal, et ce week-end, je serai pas là, mais dans la semaine, je vais essayer d'acheter de la nourriture, de l'eau à boire et tout, pour ces gens. Ou soit j'attends que les gens ils m'amènent quelque chose à Grenoble. Donc je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Donc en tout cas je vais y réfléchir sincèrement. Je vais y réfléchir sincèrement et voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose. Parce que tout à l'heure sans faire exprès, vous voyez, j'étais en live. J'étais en direct et tout sur YouTube. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu ces pauvres enfants, ces pauvres gens qui dorment dehors. Et qu'il y a des gens qui sont au chaud, qui profitent de l'argent facile, en sachant que ces gens, ils ont plus besoin. Tu vois? Donc il y a l'hiver qui arrive, ils ont besoin des vêtements et tout. Ismo, bloque s'il te plaît. Attends. Bouge pas. Allez, ciao. Voilà. Et les mamans qui ont travaillé pendant 40 ans en France, l'argent facile est même pas de la France. Bon, en tout cas, les gens, voilà. Donc, le message que je veux faire passer, en tout cas, moi, je vais essayer d'aider ces gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que moi, t'as vu, perso, j'ai aidé tout à l'heure. J'ai déjà donné 10 euros. Là, j'ai encore donné 5 euros qui me restaient. Plus les pièces qui me restaient. Voilà, regardez. Là, il n'y a plus rien pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, ce que je vais faire, demain, on est quoi? Mercredi, ma fille, elle a entraînement. Elle finit tôt demain. Bon, les gens, attends, je vais répondre à Barberia qui insiste. Franchement, ouais, 10 euros, ouais, j'ai donné 10 euros tout à l'heure sur YouTube, ouais. Non, mais franchement, ça me fait mal au cœur, voilà. Assalamu alaikum, Sismo. Alaikum salam, ça va ou quoi? Bien, alhamdulillah, et toi? Tranquille, on est là, frère. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien, ouais. 5-5, ma gueule. Eh ouais, Barberien, franchement, t'as vu, je vais t'expliquer vite fait, tu vois. Tout à l'heure, je pensais, j'ai vu ces pauvres gens, des enfants qui étaient dans la rue, avec leur maman et tout, tu vois. Et t'as vu, il y a l'hiver qui arrive. T'as vu, ils n'ont pas à manger.
T'as vu, moi, ça m'a fait mal au cœur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, c'est pour ça, t'as vu, j'ai donné ce que j'ai, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Donc, s'il y a moyen, t'as vu, que je puisse récolter plus de la nourriture ou des vêtements pour donner à ces gens, c'est pas forcément l'argent, hein. L'argent ne fait pas tout, encore une fois, l'argent ne fait pas tout, tu vois? Donc, les vêtements que vous pouvez donner ou la nourriture, je sais pas moi, tu vois, ça peut aider, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair, t'as raison. Mais dis-moi juste une chose. Dis-moi juste, je sais comment t'es, Ismaël. Mais tu fais pas ça par rapport à David, tu dis, ouais, lui, il envoie des thunes et on lit, et lui, il dit, oui, d'accord, mais j'ai des problèmes. Non, tu m'envoies 50, oui, envoie-moi 600. Il y a un peu ça, il y a pas un peu de ça, mon frérot? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Ça m'a fait mal au cœur, t'as vu? Eh, hey, c'était même pas sur Periscope tout à l'heure, j'étais sur YouTube. J'étais en direct live sur YouTube. Bon, t'as vu, je suis descendu pour y aller manger. Les gens qui étaient sur YouTube, ils peuvent être témoins. Quand j'ai vu ça, je suis parti, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour, je les ai donné 10 euros. Et en retour là, j'ai dit non, faut que je fasse quelque chose, tu vois. C'est bien, c'est super, c'est génial, c'est bien. Mais regarde, tu vois, il y a une phrase qui dit, regarde, Ismo. Moi, tu sais comment je suis, moi, je te dis pas, oui, tout est bien, tout est mignon, tout est gentil. Il y a une phrase qui dit, voilà, il faut que ça dépasse du tonneau pour en donner aux autres. C'est ça, c'est ça. Et bien entendu, commence par soi-même. Mais toi, ça se trouve, t'as de la famille là-bas au Sénégal. Qui vont voir ça, ils vont devenir fous, ils vont se dire, oh, nous, il nous a jamais rien donné. On est ses voisins, sa famille, on se connaît. Regarde, déjà, la question. Attends, je veux dire un truc. Quand je reçois mon salaire, la première chose, je paye mon loyer, je paye mes factures. Et la maman là-bas au pays, obligée. Et on a une association ici à Grenoble que tous les mois on cotise. Et t'inquiète pas, par rapport au Sénégal, t'inquiète pas, j'ai. Je réponds aux questions des autres. Justement, ils vont être plus fiers que autre chose, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours voulu aider mon prochain, tu vois. Mais des gens qui sont vraiment en difficulté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est clair, ouais, bien sûr, t'as raison, c'est vrai. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Toute l'année, on est là à dire des conneries et tout, si on peut donner pour des gens qui voilà. Nous, on a des problèmes de riches, Ismo. On s'embrouille, l'autre, il a dit ça, on a montré sa tête, l'autre, il a... C'est des problèmes de riches, tout ça. Tu vois ce que je veux dire, Ismo? Ouais, c'est ça. Un problème de... Tu vois, ça t'a... Ouais, bref. Ouais. Non, mais ouais, quand t'as faim, les gens, ils connaissent pas quand t'as faim. Tout ce que j'ai à dire, voilà, donc... franchement, je vais essayer de faire un petit PayPal. Et voilà, demain, Inch'Allah, je reviens, j'y vais faire les courses moi-même. Et je les emmènerai à ces pauvres gens qui sont dehors. Donc voilà, la nourriture chaude, des sandwichs, tout ce qu'il faut, t'as vu? J'essaierai de l'emmener à manger à ces gens. Inch'Allah. C'est tout à ton honneur, mon frère. C'est mieux que les clashs et toutes ces conneries, tu vois? C'est tout à ton honneur. Je suis pas parfait, ça veut pas dire.